Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 6 au vendredi 10 mai. Oui, 10 mai, je buguais sur avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit scarabée. En deuxième, la petite clé. J'ai pas l'habitude, mon téléphone est dans l'autre sens. Et du coup, ça fait tout drôle. Et la petite grenouille en troisième. Comme vous voyez, je suis dans ma véranda. Le décor est différent vu que ce sont les vacances. Je me suis mis dans la véranda à mon aise pour faire la vidéo. Et du coup, j'ai droit à Maya, mon petit chien. Garfield est là, Gaïa aussi. Donc si vous entendez du bruit ou des miaulements, ce sont les animaux. Pour les jeux qu'on va utiliser, bah, j'ai repris l'oracle des secrets de ma belle Iris Selinac, l'oracle Ro. J'avais très envie de sortir les sens de sorcière de Sandrine Médium, que j'aime beaucoup. J'ai repris l'onyx, l'oracle onyx de Onyx. On me demande encore de temps en temps s'il est encore dispo. Malheureusement, non. Pas pour le moment, en tout cas. Alors, les prédictions des chibis de ma belle Cricri. D'ailleurs, j'ai pris les pills holographiques du graphite également. Et j'ai ressorti, ça faisait très longtemps que j'avais plus sorti, l'oracle Mes alliés de la nature de Fabienne Meilfer pour avoir un petit message, voilà, de bien-être. J'adore ces cartes, je les trouve trop jolies. Oh, bah, voilà, la preuve, j'utilise tellement souvent que je ne l'ai même pas rangé dans son pochon. Du coup, on va gagner 2 minutes. Voilà. Eh bien, je suis dans la véranda et il fait chaud. Par contre, j'ai plus de place dans la véranda. Ça, c'est l'avantage. Par contre, je vois que le pied bouge. Je suis désolée. Je vais essayer de ne pas trop bousculer la table, du coup. Hop, hop, hop. Et bah, je fais la vidéo. Il pleut, il pleut et il pleut. Il pleut encore. Voilà. C'est terrible, hein. C'est le déluge. Bon, alors, l'onyx. J'aime beaucoup. Je vais juste enlever les datations. Je fais ça dans peut-être le oui aussi. Bon, le nom, je ne sais pas où il est. Voilà. Je vais essayer de les mettre sur le côté. Je vais faire un peu de place. Hop, hop, hop. Le sens des sorcières. Celui-ci, il est en mass market. Bon, je vais toujours garder le petit bouc près de moi, des fois que. Je ne sais jamais. Que j'en aurais besoin, et l'oracle des secrets. Oui, j'ai pas besoin du book. Voilà, on est bon. C'est déjà 2 fois que je sors les cartes et que c'est celle-là au-dessus. J'aime pas trop celle-là. Bon, on va commencer tout de suite avec, du coup, l'oracle des... Non, l'oracle des secrets, non, l'oracle Ro. Je vais essayer de ne pas m'appuyer sur la table où tout va bouger. Hop, hop, hop. Bon, j'espère que cette fois-ci, on aura des belles énergies. Ah, ben, j'ai oublié les pills. Je vais faire l'euro et puis, vite fait, les pills où je vais les oublier. Ça, c'est quand je dois déménager. Après, j'oublie. Parce que les enfants sont dans le salon. Ils sont en train de jouer avec leur console sur la télé. Alors, déjà, de 1, je ne sais pas me concentrer. Et eux, ça les ennuie qu'ils ne peuvent pas faire de bruit. Bon, on va prendre les holographiques. C'est juste un petit peu trifouillé, parce que je n'ai pas encore trop mélangé. Je vais essayer de puiser dans le fond. Mon fils était en admiration devant la boîte quand il l'a vue. Là, je vous avoue que moi aussi, à chaque fois que je la vois, je suis en admiration. C'est celle-là que je veux. Voilà, bon, ma petite boîte, on va la remettre ici, du coup. Voilà, et on va continuer, du coup, avec l'oracle des secrets. Ah oui, il y a 22 degrés dans ma véranda. C'est une pièce qui prend le soleil. Hein. C'est ça que j'ai chaud. Hop, hop, hop. Et il y a déjà une semaine de vacances de passer. C'est fou. Comme on est parti à la mer, eh bien, heureusement, on en a encore une deuxième. Bon, je vais mettre les cartes là. Je les rangerai après. Mes petits chibis. Les prédictions des chibis. Oula, oula, oula. Ça s'emballe. Elles ont failli sauter. Hop, hop, hop.
aussi. Hop. Après, on va prendre le sens de sorcière, que j'aime beaucoup aussi. Et ici, dans ma véranda, je suis face au jardin, donc j'ai vu sur le jardin. Ça, on aime bien. Celle-ci. Yop. Alors, le onyx, que j'aime beaucoup aussi avec les bébés animaux. Bon, peut-être qu'un jour, il les refera, hein, je ne sais pas, il le refera, je ne sais pas. Si Cricri est dans la guidance, sera peut-être nous le dire, comme elle le connaît mieux que moi. Peut-être qu'elle a des news. Je sais qu'elle en a fait un autre, il me semble, aussi. Voilà. Hop, et on va finir avec les alliés, qui sont de géantes cartes, par contre. Je ne sais plus combien de cartes à celui-là, là, il y en a beaucoup. Voilà, bon, je crois qu'il y a une partie qui doit être à l'endroit, une à l'envers. Hein. Elles sont tellement grandes, elles recouvrent tout. Voilà. Ceci, je vais les laisser ici. Bon, je vais essayer de peut-être rapprocher un petit peu quand même. Je vois pas bien dans le retour non plus. Oh, 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 il s'est retourné tout seul. Mon petit scarabée, hop, hop. Ouais, voilà, là c'est mieux, on voit mieux. Peut-être juste un peu plus par là. Voilà, bon, le scarabée, je viens de voir, la pile, c'était un... Oh, purée, un message. Je suis vraiment pas habituée. D'habitude, le retour, il est par là, vous le voyez. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas bu, hein, je vous rassure. Donc, ben, si vous attendez un message, des nouvelles, vous allez peut-être bientôt avoir ben, des nouvelles. Ou un message de quelqu'un. L'embryon et le caméléon qui ressortent. L'embryon, avec ben, l'idée de nouveaux projets, nouvelles choses qu'on met en route, ça peut être une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, tant qu'on y est. Et peut-être le fait aussi qu'on met de nouvelles choses en route, bon, des projets peut-être, pas pour tout de suite, mais pour dans le futur, hein. Faudra le temps que, bah, que ça vienne à maturation, et bah, ce sont peut-être des projets qui font qu'on va peut-être devoir, entre guillemets, s'habituer, s'acclimater à la situation. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre en place, pour des changements peut-être de vie ou pour plus tard. Et il va falloir bah, vous y faire, vous y habituer. Voilà. Bon, c'est vrai que le changement, bon ou mauvais, il faut toujours un temps d'adaptation. Et parfois, ce n'est pas toujours facile de s'habituer et de s'y faire. Oh, ça faisait longtemps. La libellule avec la transformation, métamorphose, évolution. Bon, ici, clairement, je pense que ce sera quelque chose de nouveau pour vous, mais au niveau bah, de transformation de votre évolution personnelle. Peut-être que vous allez mettre des nouvelles choses en place pour vous évoluer. Ça peut être des formations ou des livres que vous lisez dans le développement personnel. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de mettre de nouvelles choses en place. Du coup, plutôt du côté pour une évolution, peut-être pour changer des choses aussi dans sa vie. Hein. Ça va bien avec le caméléon d'ailleurs, qui lui s'adapte à toutes les situations. Donc peut-être que vous, comme vous adaptez à toutes les situations aussi, pourquoi pas, vous allez peut-être mettre de nouvelles choses en place au niveau évolution, bien-être, etc. Et peut-être pour ça que vous allez recevoir un message. Peut-être des nouvelles par rapport à ce projet que vous avez envie de faire. No Shibi nous parle de déclaration. Ici, on voit, c'est plutôt une déclaration d'amour. Moi, je le verrais plutôt... Bah, peut-être que vous allez... Je ne sais pas pourquoi, mais je le verrais plutôt comme l'idée que vous avez peut-être décidé maintenant de mettre des nouvelles choses en place. Et vous allez peut-être les déclarer, les dire entre guillemets, les partager. Ou bien, ça pourrait aussi, j'ai parlé de nouvelles relations, ça pourrait aussi être une personne qui vous fait une déclaration amoureuse, pourquoi pas, peut-être par message, pourquoi pas. Et peut-être, du coup, l'embryon, ça pourrait être une nouvelle relation, et peut-être avoir, du coup, soit ce serait une déclaration amoureuse, du coup, soit ce serait vous qui avez décidé de faire des changements, du coup, dans votre vie.
Alors, ici, on a le voyage avec le sac à dos et les morceaux de paysage. Bah, peut-être justement que vous avez, ça pourrait, hein, que vous mettez en route peut-être un voyage, un périple, pourquoi pas, quelque chose qui a peut-être à voir avec le développement personnel, avec l'évolution, peut-être, bah, ça peut être, vous savez, les, bah, comment on appelle ça, les pèlerinages, voilà, pourquoi pas. Peut-être vous êtes en train de le planifier, mais que ce ne sera pas pour tout de suite, que vous devez peut-être trouver des arrangements et vous adapter à la situation avant de pouvoir mettre ça en route, et peut-être avant de le dire autour de vous. Ou alors, mais ça aussi, ça ne parle pas de, bah, de bien-être, etc. Peut-être que vous êtes en train de planifier un petit voyage, mais peut-être pas pour tout de suite. Du coup, ça pourrait être des voyages, par exemple, pour les grandes vacances que vous êtes en train de planifier et vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ici, on a, bah, voilà, message, contrat, engagement. On a deux fois le message. Bah, je ne peux pas dire mieux, hein. Soit c'est un contrat, ça peut aussi être un contrat de voyage, hein, pourquoi pas, que vous allez signer un contrat pour s'engager à faire soit un périple, soit un voyage. Mais en tout cas, bah, peut-être que vous allez la faire avec votre chéri aussi. Ça pourrait, en tout cas en duo, si on regarde juste la carte sans le mot-clé, ça pourrait également. Mais en tout cas, il y a un déplacement, un voyage qui est en préparation dans le but peut-être d'une évolution personnelle. Hein. Et qui est en train de se planifier. Alors ici on a la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Bon, ben clairement, peut-être que vous avez des petits soucis, des petits tracas, vous avez peut-être du mal à vous adapter, à vous fondre dans la masse, à trouver votre place dans la société. Ça pourrait, et peut-être qu'on vous dirait ben, que c'est qu'une phase, que ça va passer. Peut-être justement qu'en planifiant ben, ce voyage, ce pèlerinage, ce que vous voulez, ben, peut-être que vous allez évoluer et peut-être voir la vie un peu plus du bon côté. Mais en tout cas, les épreuves ici, on dit bien qu'elles sont passagères et elles ne vont pas durer. Voilà pour ceux qui avaient choisi le scarabée. On va passer à ceux qui ont choisi la clé avec les rêves. Ah, ici, on vous conseillerait peut-être de prendre en considération vos rêves. En plus, avec la clé, ça pourrait être que vous allez peut-être trouver la solution d'un problème dans vos rêves. Pourquoi pas, ça arrive des fois. Qu'on en rêve et qu'on reçoit des signes, des guides dans nos rêves. La voiture, ça faisait longtemps. La graine, bah ici, ça me ferait penser à ce tirage-là aussi, hein. L'idée de planter une petite graine, de nouvelles choses, de mettre de nouvelles choses en route. Et la voiture, ça me ferait penser à tout ce qui est déplacement. Peut-être que vous êtes en train de planifier des nouveaux déplacements. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un voyage aussi, mais ça peut aussi être des petits déplacements. On a vraiment l'idée ici, bon d'habitude c'est plus la créativité, hein, la graine, mais ici moi je le vois plus comme la graine qu'on plante pour l'avenir justement, pour qu'elle pousse et ben, peut-être de nouvelles choses que vous mettez en place au niveau des transports. Peut-être aussi nouvelle voiture, pourquoi pas. Le présent. Bon, c'est quelque chose que vous faites pour le moment présent, ou alors ici on vous dirait... de vivre, profiter du moment présent, tout simplement. Peut-être de profiter mais du moment présent. Voilà, peut-être vous allez avoir un signe dans vos rêves par rapport à une nouvelle, à quelque chose de nouveau par rapport à des déplacements. Ou alors peut-être que le ben, peut-être que vous allez trouver que les déplacements seraient la solution peut-être à un problème. Voilà. Peut-être que vous êtes bloqué pour le moment et que ben, on vous dirait, bah, c'est peut-être dans les déplacements que vous allez trouver la solution à votre problème. Peut-être qu'il va falloir aller un peu plus loin. Ici, on a les imprévus et les achats. Ah, donc ça pourrait coller avec bah, l'idée de bah, soit d'acheter peut-être une voiture, pourquoi pas, avec la petite graine et ça, ou alors aussi avec des déplacements imprévus. Peut-être que la solution, justement, est à trouver dans les déplacements, mais c'était peut-être pas du tout prévu au programme, ces déplacements. Peut-être que vous n'avez pas prévu de vous déplacer, mais on vous dirait quand même, bah, si tu veux trouver la solution à ton problème, ben, il va falloir bouger. Voilà, peut-être aller la chercher plus loin. Ici, on a le printemps. Le printemps, ben, ça peut correspondre à la petite graine, avec l'idée de mettre de nouvelles choses en place. Ben, peut-être de nouvelles choses en place, toujours au niveau des déplacements, hein.
J'ai envie de dire, on ne va pas dire que ce sera des déplacements qu'on va planifier pour le printemps, bien qu'on y est, hein, moment présent, printemps, bon, ça pourrait, vu qu'on est dans cette saison-là, mais je le verrais plutôt, moi, comme des nouvelles choses à mettre en place, mais au niveau déplacement. Voilà. Bah, ici, on a la saison pour l'été, donc peut-être des nouvelles choses à mettre en place au niveau des déplacements, mais peut-être des choses à mettre en route pour l'été. Voilà. Ou prévoir un achat, peut-être d'une voiture, pourquoi pas, mais plutôt. Pour l'été, voilà. Et ici, on a le faucon. Dès aujourd'hui, tu peux appréhender ta vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route. Ben, peut-être que vous appréhendez justement et vous avez peut-être des doutes quant à ces déplacements. Bon, ça peut aussi être par exemple un travail qui serait plus loin où il faudrait peut-être une voiture, vous déplacer et vous êtes peut-être vraiment dans l'hésitation. Mais ici, on vous dirait. Que peut-être de voir la situation différemment, de prendre de la hauteur et de plus de réfléchir à la situation et de vivre le moment présent. Et en tout cas, je pense que vous trouverez la solution dans vos rêves. Pourquoi pas un signe peut-être. Et peut-être que prévoir des déplacements ou acheter une nouvelle voiture sera peut-être la solution. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la petite grenouille. D'abord la pils. On a à l'endroit l'abondance, avec un coffre rempli de billets. Voilà, ça on aime bien. Alors, on a le feu vert et le puzzle. Bon, ici, clairement, l'abondance, bon, on vous dit que le feu est vert. Donc, si vous avez des projets que vous avez envie de mettre en route ou des choses pour lesquelles vous attendez un oui, ben, ici, clairement, le feu est vert, vous pouvez foncer. Et le puzzle, c'est l'idée de trouver sa place, hein, entre guillemets. Donc peut-être que vous allez enfin trouver votre place et pouvoir faire ce que vous avez envie. Voilà. En tout cas, les voyants sont tous passés au vert. Donc c'est peut-être le moment de foncer et de le faire. Bon, clairement, l'été, chaleur, festivité, allégresse, aussi la récolte. Hein. Donc ça va bien avec le feu vert. Hein. Peut-être que vous êtes en train de trouver votre place, tout simplement, au boulot, dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez vraiment bien. Peut-être que vous manquez de rien aussi avec l'abondance, à manger, un toit, des sous. Et peut-être qu'on vous dit le feu est vert si vous avez envie de mettre de nouvelles choses en place. Voilà, ben, en tout cas, peut-être des nouvelles choses en place pour l'été, mais en tout cas, on vous dirait ici, fonce. Ici, on a la naissance. Donc, ça pourrait être de nouveaux projets. Peut-être que vous cogitez à mettre de nouveaux projets en route. Et bah, ici, clairement, on vous dit, vas-y, fonce, c'est le bon moment. Hein. En plus, vous avez l'abondance. Ce sera peut-être un projet où vous allez vraiment trouver votre place et qui va vraiment vous apporter joie, bonheur et peut-être considération et tout ce que vous cherchez. Donc, c'est tout bon. Ah, on aime bien ça, les énergies comme ça. Ici, on a l'épreuve. Ben, peut-être que vous avez, peut-être que vous venez d'en bas de l'escalier. Hein. Peut-être que vous avez subi des épreuves, des coups durs, et peut-être que vous avez gardé courage et espoir et vous avez entamé le chemin ici, l'escalade hein, jusqu'en haut. Et je pense, en tout cas, qu'on vous dirait que vous êtes arrivé à la fin des soucis et des épreuves, et que le feu est vert pour mettre en place ce que vous avez envie. Peut-être que vous avez galéré pour mettre ce nouveau projet en route aussi, et que on vous dirait peut-être, ça y est, c'est bon, maintenant, c'est la fin, tu vois le bout du tunnel, tu peux te lancer, et ce sera bien, quoi. Voilà, et tu trouveras ta place, tu vas trouver un équilibre et te sentir bien dans ce que tu fais. Non, d'abord le onyx, ici l'indépendance avec liberté et confiance. Bon, moi ici, ce serait plutôt le mot confiance que je garderais avec l'idée de garder confiance en vous. Vous n'avez peut-être jamais perdu confiance en vous, même s'il y avait des épreuves, vous les avez affrontées, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, clairement, vous allez être récompensé, hein, parce que maintenant, le feu est au vert, vous pouvez lancer ce que vous avez envie de faire. Et là, ça peut aussi être l'indépendance, peut-être un projet que vous faites en indépendant aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, bon, tous les voyants sont verts et tout est bon. Donc c'est le moment foncé. Oh, en plus, vous avez la coccinelle avec la chance. Que demander de plus? Aussi loin que
t'emporteront les vents de et tes pensées. À l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. Bah, clairement, la petite flamme, je pense que c'est la confiance en vous hein, qui a fait que vous n'avez jamais baissé les bras, vous avez tout donné, vous avez cru en ce que vous faisiez et bah, vous allez être récompensé. En plus, vous avez la chance de la coccinelle avec vous. Voilà, ça c'est un beau tirage hein, pour ceux qui ont choisi la grenouille. Du coup, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.